Orange et Shang Xiliu, un ancien magistrat Xinghua, l'un des prêtres a envoyé un arbre en peau, regard, et mince comme un doigt d'oranger, ne refuse pas. Lieu public, une petite fille, il n'y avait que 6 ou 7, rattrape anniversaire. Les prêtres, a déclaré ce indigne pour les adultes de profiter, par les Nugong zone industrielle anniversaire il, Liu Gong accepté 6 filles, très semblables, placées dans le boudoir, tôt ou tard, des soins intensifs, de peur de mal aux arbres. Lorsque Liu terme du mandat, Orangé est devenu une brute. Ce sont les premiers résultats de temps. Liu va remballer et partir, parce que les arbres orange lourd fardeau, ont l'intention chuter. Fille tenant arbre orange et pleurer, l'aide à sa famille, elle a dit nous sommes seulement un congé temporaire, bientôt revenir. Je crois que la fille a arrêté les pleurs. Et de peur que les orangers sont des gens qui ont la force de transporter, en regardant la famille a planté l'arbre dans les escaliers, la famille n'a pas laissé. Fille rentra chez lui, la femme de banquier a ensuite été embauchée marchand-oncle dans l'examen impérial le plus élevé dans Bingxu, a reçu un magistrat Xinghua, madame folle de joie. Je pensais que 10 ans se sont écoulés, Orangé probablement plus existe. Xinghua, Orangé est devenu en cercle les arbres, le fruit de l'arbre, à environ quelques milliers de plus. Demande coureur cette année-là, ils ont dit lieu disparu, les arbres avaient l'air luxuriantes, mais pas le résultat, c'est le premier résultat. Était d'autant plus surpris. Xinghua magistrat du village en fonction pendant 3 ans, année après année arbre orange chargé de fruits. La 4e année, pas d'arbre à fleurs à gare. Madame Xuan Xuaing a dit au magistrat vous êtes un officier de ce temps ne sera pas trop long. Pour tomber, et elle a pris sa retraite à Xi a dit différents femmes lieux et des orangers avez-vous un plus excellent? Pourquoi est-ce une coïncidence? Orangé Thanksgiving semble être le résultat, pas la floraison comme si triste séparation. La végétation sont donc, sans parler des gens,